Un rendez-vous immanquable. Lancée en 2010, la série Clem a su réunir des millions de téléspectateurs au fil des années, avant de prendre fin en avril 2022. Mais pour le plus grand bonheur des fans, le programme culte de la première chaîne est de retour ce lundi avec un double épisode spécial intitulé Les Retrouvailles. Comme l'indique le titre, ce retour à l'écran sera l'occasion de retrouver plusieurs acteurs emblématiques de la série, parmi lesquels Elodie Fontan qui incarne Alice, la meilleure amie de Clem. Se posait en revanche la question du retour de Victoria Abril, qui interprète Caroline, la mère de Clem. En effet, son personnage a perdu la vie dans un accident de voiture à la fin de la saison 8, laissant planer le doute quant à une possible réapparition. Mais contre toute attente, l'actrice espagnole sera bel et bien de la partie. Un fait d'autant plus surprenant quand on sait que la comédienne n'avait pas apprécié la façon dont elle avait été évincée de la série. En effet, Victoria Abril avait considéré la mort brutale de son personnage comme un manque de considération vis-à-vis de son travail. Ce qu'on regrette effectivement si est-il de l'avoir fait mourir comme ça. Elle s'est plainte, à juste titre, de dire que vis-à-vis de ses fans, de l'investissement qu'elle a donné à cette série, elle n'avait pas été bien traitée, confiait Fabrice Renaud, le producteur de la série, au micro de France Info en octobre. Clem, Les Retrouvailles, Victoria Abril convaincue par le scénario? Comme l'a indiqué Fabrice Renaud, Victoria Abril avait déjà été approchée par le passé pour revenir dans la série, mais le scénario proposé n'avait pas réussi à la convaincre. On s'est dit comment la faire venir parce qu'on ne voulait pas faire un fantôme. On a essayé une ou deux fois, Victoria nous disait non, que l'histoire n'était pas la bonne, explique le producteur de la série avant d'ajouter, ce coup-ci, ça tombait bien, elle nous a dit ok. C'était une bonne manière de dire au revoir à ses fans. Comment Caroline a-t-elle été réintégrée à l'histoire? Verdict ce soir. Just me.